Re-salutations, chers youtubeurs, c'est ValentStep. Donc pour mon épisode 69, que je vais faire normalement, qui devrait être un peu plus court que la normale, ça va être normalement moins de 34 minutes, parce qu'en fait là, j'ai été obligé, là il doit être... en fait, à mon téléphone, iPhone, Android, donc il est 16h54. Donc en fait, donc à ma montre Seiko à quartz, donc en fait j'ai commencé sur mon ordinateur ce matin vers 8h-8h30. Donc j'ai fait mes vidéos aujourd'hui, je viens de télécharger là, donc il est donc 16h54 à mon téléphone iPhone Android, 16h54, et donc j'ai commencé ce matin vers 8h-8h30. Donc, j'ai recherché jusqu'à midi, de 8h-8h30 jusqu'à midi, donc à peu près 3-4 heures, en fait, sur IGN, Fallout Wikia, Nexus Mods, etc., pour les levels, et pour les levels, en fait, pour savoir, donc, en fait, Fallout New Vegas, c'est, normalement, on peut monter jusqu'au level 30, jusqu'au niveau 30, et si on met les 4 modes donc qui sont proposés, enfin je vous renvoie donc sur Steam en fait, dont mon mode en fait, mon addon en fait que j'ai rajouté, Gunrunners, Arsenal Gunrunners, Gunrunner Arsenal, en fait c'est un, comme les 4 addons principaux qu'on peut rajouter sur Steam, c'est, il y a un ou deux addons comme Gunrunners, des mini mods en fait, qui eux peut-être ne rajoutent pas de niveau, mais en fait si on rajoute les 4 autres modes en fait qui sont proposés sur Steam et sur pour lequel en fait Gunrunners Arsenal est un petit supplément, et il doit y avoir un autre peut-être ou deux autres en plus, et donc ça fait bon, c'est grosse série Fallout quoi, et donc à ce moment là ça fait 5 modes, 5 niveaux de rajouter par mode, donc 4 modes ça fait 20 niveaux, et en fait donc à ce moment là on peut passer, si on rajoute les 4 modes principaux qui sont sur Steam, on peut passer du niveau 30 au niveau 50 pour Fallout New Vegas. Donc j'ai essayé de faire ça ce matin, donc je vous renvoie à mes épisodes que je viens de télécharger sur ma chaîne YouTube là. Donc en fait 63, 64, 65, 66, 67, 68. Le 68 ne fait que 7 minutes parce que ça a coupé, parce qu'en fait c'est pour ça que j'ai dû réenregistrer, j'étais à court de mémoire en fait sur mon sur mes fichiers, donc ce PC en fait il me restait plus assez de géo en fait pour télécharger en fait, donc j'ai été obligé de télécharger mes vidéos sur YouTube puis de les éliminer pour remettre des géo pour en tant que mémoire pour mon ordinateur. Donc en fait, donc je vous renvoie à mes épisodes que j'ai téléchargés de ce matin et de cet après-midi. Donc mes épisodes 63 à 68. Donc là c'est mon épisode 69. Et donc vous voyez, là il est 16h57 à mon téléphone iPhone Android, et je suis en fait sur mon ordinateur depuis 8h-8h30 ce matin. Et donc voilà, en fait c'était pour en fait pour donc me renseigner sur les levels. Et comme je vous l'ai mis ce matin, comme je l'ai posté, j'ai fait des posts en fait sur mon blog ottawasergent.tumblr, et où j'ai mis en fait des, où j'ai posté des photos que j'ai prises avec mon téléphone iPhone Android sur de mon ordinateur, donc IGN, Fallout Wikia, et donc en fait ce que je voulais faire autrement c'était justement sur en fait le commencement de fabrication, donc le crafted, et en fait sur, alors bon là j'ai choisi de pas spécialement faire tout de suite parce que de toute façon j'ai pas encore trouvé de recette de recipes, donc R-E-C-I-P-E-S en anglais, pour les armes, de schéma d'armes, donc en fait ça on verra ça après pour les établis etc, mais en fait par contre ce que j'ai fait en fait dans mes épisodes 63 à 68, et donc là c'est mon épisode 69, ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché les ingrédients en fait, et là je vous j'ai noté
ça dans mon, j'ai une application comme je vous l'ai dit sur mon téléphone iPhone Android, post-it notes, où je peux noter différents trucs et des fois je reposte un peu sur mon blog Tumblr Ottawa Sergente. Donc en fait ce que je recherche à faire, par exemple j'ai trouvé ce matin en fait une sur un site que je dois remettre un peu sur mon blog et sur mon blog ottawasergente.tumblr. En fait j'ai trouvé une recette en fait, une recipe, donc R-E-C-I-P-E, en fait pour food en fait, hein, pour nourriture, F-2-O-D, food, et en fait de fricassé. Donc en anglais, hein. En anglais, donc fricassé, bon, frica comme en français, et c'est en fait 2S, 2E, fricassé, et c'est une recette de fricassé, et donc ben, je l'ai mis en fait, je l'ai peut-être reblogué sur mon blog ottawasergente.tumblr, j'en ai peut-être parlé en fait sur mon application, pris note sur mon application en fait. Post-it notes sur mon téléphone iPhone Android, et parce qu'en fait il faut savoir que comme j'ai dû le dire dans mes vidéos, j'ai dû en parler un petit peu je crois sur mes vidéos 63-68, donc en fait moi comme je suis assez intéressé en fait par une immigration au Canada, en étant immigrant au Canada en fait, donc Canada francophone, Canada anglophone, en fait il faut savoir qu'en French Canadian, donc en français canadien, donc en québécois, et donc aussi possible en acadien, donc pour l'Acadie en fait, qui est une partie également historique en fait du Canada francophone, et en fait il y a le, en fait le terme frico, il y a le terme frico, donc F-R-I-C-O-T, et en fait qui correspond en fait à une espèce de, c'est de la nourriture en fait, c'est une recette, le frico. Donc bon, j'ai déjà mis ça en fait dans mes blogs ottawasergente.tumblr et dans mon blog WordPress souvenant, et bon là je vous renvoie à Remember Earth, etc. pour le système de science-fiction, Pamela Sergent, en fait le science-fictionnaire Stan Barrett, etc. Parce que en fait j'avais remis d'autres trucs aussi par rapport au French Canadian, par exemple des décoctions de cèdre blanc. C'est une recette en fait qui est historique en fait. Dans la série qu'on avait dans les années 70-80 en fait sur FR3. Sur FR3 en fait il était une fois l'homme avec le teigneux, le nabo, et en fait donc quand on était enfant adolescent, pour ceux qui sont qui ont été enfant adolescent dans les années 70-80, en fait on avait en fait cette recette qui passait dans certains épisodes qui ont pu être faits après dans les années 90. Il y a pu y avoir des suites jusque dans les années 90 pour le teigneux, le nabo, il était une fois l'homme, et en fait qui était fait par FR3, hein. C'était une série faite par FR3 et qui passait aussi au Canada. Je crois que c'est dans le générique, on voit bien qu'il y a FR3. Il y a aussi Radio-Canada, Télé-Radio-Canada, un truc comme ça. Et en fait, il parle justement de la décoction de cèdre blanc qui avait sauvé en fait, les soldats de Cartier et de Champlain, donc vers le 16e et 17e siècle, quand il y a eu les commencements d'immigration des Français et des Anglais au Canada. Donc c'était les Indiens qui avaient dû leur donner en fait cette recette de décoction de cèdre blanc. Et le frico est aussi un système French-Canadien. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de la fricassée, donc que j'ai trouvé ce matin. En fait là le fait c'est bon, bah là je suis déjà 10 minutes finalement, donc finalement faut y aller, parce qu'en fait ce que je veux faire là, il va falloir que je retourne en fait sur Zone, parce qu'en fait donc j'ai été vérifié, c'est à dire qu'en fait il me manque plus qu'un ingrédient, parce que là ce que je vais essayer de faire c'est en fait le caravan lunch. Donc en anglais, évidemment, la recette, je la prends en anglais. On va voir ce que ça donne en français quand je vais essayer. Alors, il faut que je trouve un campfire, donc un feu de camp. Donc, je sais normalement où les trouver. Et donc, en fait, je vais essayer de faire la recette, en fait, caravan lunch. Et donc c'est une recette en fait food, hein, donc F2OD, et donc bon c'est, ça peut servir pour si on fait en fait Fallout New Vegas en hardcore, et donc en fait
Donc en fait, j'ai tous les ingrédients, mais il va falloir que je retourne parce que finalement, donc j'ai été vérifié. Alors donc je vous renvoie donc à mon épisode, surtout à mon épisode, ça devait être mon épisode 63 ce matin en fait, où j'ai où je vous ai surtout montré en fait en début, enfin pendant pratiquement même toute la vidéo en fait, elle est pratiquement axée sur les recherches que j'avais fait dans la matinée en fait de 8h à midi et sur le site IGN, sur Fallout Wiki, etc. Et donc on voit, et j'avais noté sur mon application sur mon téléphone, donc en fait il faut je reprends mon application post-it note que j'ai sur mon téléphone iPhone Android et il faut en fait pour la recette du Caravan Lunch il faut d'abord avoir sa capacité survie survival à 30. Donc moi je dois l'avoir à 35, donc je peux faire la recette. Ensuite il faut un crâne que je dois avoir, il faut un lunchbox que je dois avoir, donc c'est les boîtes à sandwich, ça doit être les boîtes à sandwich je pense. Il faut un pork and beans, donc un porc aux haricots, je dois l'avoir. Donc tout ça c'est ce que j'ai en fait été looté aujourd'hui. Et donc en fait à Nelson par exemple, etc. Et d'ailleurs là je vais certainement me faire un déplacement rapide vers Nelson parce qu'en fait j'ai pas pris l'instamash, il faut un instamash, donc là je vous renvoie à Fallout Wiki en anglais. Instamash en fait c'est insta comme I-N-S-T-A et I majuscule et M majuscule A-S-H, un instamash. Et en fait instamash, j'ai été revérifié là sur Fallout Wiki et en fait c'est instamash en fait ça correspond au aux instants, aux boîtes d'instant potatoes. Donc en fait les purées, ça doit être la purée minute en français. Instant potatoes, j'ai été vérifié sur Fallout Wiki là, et en fait Instamash, ça doit correspondre aux boîtes de instant potatoes. Donc ça doit être les purées minutes. Et à ce moment-là, bah moi je les ai pas pris tout à l'heure en fait à Nelson, dans la maison qui est Northwestern, donc au nord-ouest de Nelson, mais en fait ça devait être les deux boîtes de purée minute qu'on voyait sur l'étagère en haut. Et donc bah là je vais les reprendre et après normalement je pourrais faire, j'aurai tous les ingrédients pour faire ma recette Caravan Lunch. Donc je retourne immédiatement à Nelson. Bah j'y suis d'ailleurs, je suis à Nelson. Oui, bon bah attendez. Chez Nelson, il faut simplement que je retourne dans cette maison, dans les maisons là. Donc, ok, parfait. Alors, c'est laquelle ? C'est laquelle ? Est-ce que c'est celle-là ou quoi ? C'est pas sûr que ce soit celle-là, ça se trouve c'est... je vais voir tout de suite. Là, je suis déjà à 14 minutes, il faut que je me dépêche parce que, bon, mine de rien... Ici, c'est là. C'est là. Bon, regardez, là. Purée minute. Bon, donc, je vais voler les deux. Car on m'a diminué. Diminué. Ouais, mais bon, il faut bien, hein, parce que... Voilà. Donc en fait, là c'est bon. Et maintenant, les feux de camp. Il faut un campfire. Donc à la limite, je sais pas si... Est-ce que c'en est un ? Parce qu'autrement, il y en a un à Lone Wolf Radio. Mais si ça se trouve, là, c'en serait un, je sais pas, en fait. Et quand ça brûle comme ça, est-ce que c'est classé comme feu de camp, là ? Ah. Est-ce que c'est classé comme feu de camp ? Ah, ça m'a pas l'air... Ça m'a pas l'air d'être classé comme feu de camp, là. Ça dit rien. Euh...
peut-être que je clique dessus, je sais. Ah, activer le feu de camp. Si, si, c'est un feu de camp. Parfait. Donc, activer le feu de camp. Parfait. Voilà. Donc, caravan lunch. Bah, parfait. Vous voyez, repas de la caravane, je peux le faire. Donc, vous voyez, c'est. J'ai pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai pas fait pour rien en fait. Vous voyez, boîte à sandwich, en effet, c'est ce que je vous dis. Donc c'est bien ce que j'ai fait aujourd'hui et ce que j'ai noté, répertorié. Donc il faut, pour le repas de la caravane, qui doit être le caravan lunch. Alors caravan en anglais, c'est exactement comme en français, sauf qu'il n'y a pas le E. Et le repas, c'est le lunch. Donc en fait c'est la recette du caravan lunch, donc en fait avec le feu de camp, donc le campfire, et donc en fait bah, vous voyez, c'est la seule que je peux faire en fait, c'est la seule que je peux faire parce que bah, tout simplement parce que j'ai été looter le voilà, fricassé de fourmis de feu. Donc fricassé de fourmis de feu, c'est peut-être cette fricassée là dont je vous parlais, parce que moi c'est fricassé ant, A-N-T. Ah, c'est possible, parce que ant, ça se trouve, ça doit vouloir dire fourmi, parce que c'est possible que c'était fricassé ant fire, et donc ça serait à ce moment là parce que ant, si ça veut dire fourmi en anglais, ça je sais pas. A-N-T, est-ce que ça veut dire fourmi en anglais? Possible, hein, ça doit être ça, parce que... Et fricassé en anglais, ça s'écrit pareil, 2S, sauf qu'il n'y a pas l'accent, en fait. Il n'y a pas l'accent, c'est 2S, 2E sans l'accent, évidemment. Donc, fricassé de fourmi de feu, c'est ce que je vous disais, pour la fricassée, le fricot en tant que French Canadian et acadien. Donc... et au niveau de la recette, donc le repas de la caravane, donc compétences requises, survie 35 sur 30, donc j'ai les 30 requises, j'ai même 35, et ingrédients, boîte à sandwich, donc le lunchbox que j'ai été reprendre donc à l'abri 11, au Volt 11, le crâne, bon bah là j'en ai plein, 7 sur 1, le porc haricot, donc le pork and beans, donc... hashtag Mr. Beans, hashtag Sean Bean, S-E-A-N, donc Silent Hill, la série, et hashtag, moi je mets tout le temps en parallèle de Bean, je mets tout le temps un hashtag Blossom pour Netflix, France Télévisions, et la purée minute, donc qui est en fait la purée minute, qui est bien en fait l'Instamash, qui est un instant potatoes, et qui est une purée minute, quoi. Et donc, bah, parfait, on va le faire. On va le faire, donc repas de la caravane, accepter. Combien je peux en faire? 2. Bon, on marque, ok, je vais en faire 2. 2 repas de la caravane ajoutés. Bon, bah, parfait. Hein, comme ça... comme ça, voilà. C'est en fait, c'est tout ce que je voulais faire. Donc, il y a un feu de camp à Nelson, bah, donc parfait. Autrement, j'aurais été à Lone Wolf. Il doit y en avoir un à Lone Wolf Radio. Il y en a dans beaucoup d'endroits, évidemment, des terres dévastées. Donc, Moyave Westland, W-A-S-T. Et donc, en fait, là, je suis à 19h34. Bah, je pense que je vais arrêter ma vidéo maintenant. Et puis, je vais la télécharger. Ça sera mon épisode 69. Bah, c'est très bien, parce qu'en fait, du coup, ça me fait... Comme ça, ça me permet de faire... Alors là, ça sert, en fait, surtout, ça doit servir, parce qu'en fait, moi, je suis pas en hardcore. J'ai pas choisi de faire... en fait, comme je débutais, bon, bah, maintenant, ça me fait quand même 69 épisodes, donc plus ça va, moins je serai débutant. Et donc, parce que j'ai choisi de faire, en fait, de commencer ma série sur YouTube, Fallout New Vegas, en même temps que... Enfin, en étant débutant. Donc, mais évidemment que... bon, bah, voilà. C'est-à-dire qu'en fait... c'est sûr que j'aurais pu, par exemple, me dire, bon, bah, je fais d'abord la série sans la faire, sans m'enregistrer, en fait, sur YouTube, sans la faire sur YouTube, sans faire une série de ma chaîne YouTube, et, en fait, j'aurais fait, bah, là, par exemple, je suis en train de jouer, et ça, c'est ce que dit, d'ailleurs, Protoxys, le YouTuber, donc, le spécialiste francophone, donc, Canada anglophone, Canada francophone, de State of Decay, Protoxys, c'est ce qu'il dit, c'est quand même plus difficile, en fait, de...
de faire un jeu quand on se filme en plus sur YouTube en fait. Donc ça c'est clair, net et précis. Donc comme on dit dans Phenomenon avec Travolta. Donc c'est clair que c'est plus difficile de se filmer en parallèle sur YouTube quand on fait un jeu. C'est-à-dire que moi par exemple j'aurais pu me dire bon bah comme je suis débutant sur Fallout New Vegas, comme j'avais jamais fait en fait Fallout New Vegas, comme là c'est la première fois que je fais Fallout New Vegas, j'aurais pu me dire je le fais d'abord sans filmer sur YouTube. Et en effet, bon, ça aurait été certainement plus cool d'une certaine manière, mais c'est aussi intéressant. J'ai choisi l'option en fait de l'optique, l'option de me filmer en fait ma série Fallout New Vegas en étant en commençant jeu, en étant débutant. J'étais un petit peu au courant de ce qu'était la série Fallout et j'avais fait un commencement de série. J'ai dû faire 4 épisodes de Fallout Shelter. Donc j'étais un peu au courant, je connaissais un petit peu les théories, je savais que c'était vers 2077, etc. Nuclear War, donc guerre nucléaire, WW1, WW2, première, deuxième guerre mondiale, et la War nucléaire pour 2077, etc. Les zones de Boston, etc. Donc 200 ans après, sortie des survivants des abris, etc. Je connaissais un petit peu l'historique des séries Fallout, mais enfin bon. Donc en fait voilà, mais en tout cas tout ça pour dire que bon bah là du coup mon repas en fait de la caravane il est mis où? Repas de la caravane 2. Bon bah parfait. En fait ça doit servir, en fait le repas de la caravane doit servir quand on joue en mode hardcore. Quand on joue en mode hardcore, on a besoin de restaurer en fait ses points de vie, sa santé, etc. Ou même les radiations, etc. Ça doit pouvoir se restaurer en fait. Bon bah là on voit points de vie plus 5. En fait, ça doit pouvoir se restaurer en fait par exemple le repas de la caravane, par tout ce qui est recettes, food, etc. Donc F2OD, etc. Donc en tout cas parfait, j'ai mon caravan lunch. Et donc en fait, bah, ce que j'ai recherché personnellement aujourd'hui en fait je suis sur mon ordinateur depuis 8h ce matin et donc là vous voyez maintenant on doit avoir dépassé 17h. Donc voilà, bah donc en fait là je suis à 23h45. Non, là, je remets. Bon, bah, moi, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais rester comme ça. Donc là, on est avec Véronica qui est restée près du feu de camp. Mon chien Blaze. Donc, en fait, je vais faire une sauvegarde. Et puis, je vais me déconnecter. Je vais la télécharger sur YouTube pour aujourd'hui. Ce sera mon épisode 69. Donc là, je sauvegarde, on doit être un Nelson. On a un Nelson et un feu de camp, parfait. Campfire. Voilà. 19, Nelson. Donc niveau 9. Récupérateur du désert. Bon, bah là, c'est le cas de le dire, hein. Récupérateur du désert, un repas de la caravane. Donc salutations chers youtubeurs.